la dictature continue au pays d'Obiang, en Guinée équatoriale. Alors qu'un militant historique invité par la première dame à rentrer au pays a été assassiné 15 jours après son arrivée. On pouvait penser que la justice fera son travail pour connaître le nom des assassins, qu'il ne doit pas être difficile de trouver lorsque on sait à qui le crime profite. Pour couper court à toute possibilité de justice, le président Obiang vient de dissoudre le pouvoir judiciaire par un simple décret dictatorial. Le monde entier peut ainsi se rendre compte de la manière dont la justice est rendue dans ce pays, qui est un véritable défi aux droits de l'homme. Voici le texte du décret dictatorial dit « Le président de la République a sanctionné le décret numéro 36-2015 portée dissolution totale du pouvoir judiciaire. Par convenance d'un meilleur service et faisant usage des facultés qui me sont conférées par l'article 41 de la loi fondamentale d'État, il a été décidé de stipuler la dissolution totale du pouvoir judiciaire. Je l'ordonne par le présent décret fait à Malabo le 20 mai 2015 pour une Guinée meilleure, Obiang Diamant Bazor, président de la République. C'est-à-dire qu'avec un seul mot, une personne, il y a des facultés de faire ses qualités de bêtise parce qu'il veut contrôler le pouvoir judiciaire. Pour cela, en espagnol, ce qu'on dit est un fracas total. Merci beaucoup.